Bonjour à tous, Yves Playstar, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour le chapitre 18. Déjà, 18 chapitres quand même, sur ce Resident Evil Code Veronica, notre let's play sur Code Veronica X. 18e chapitre et probablement, et normalement, dernier chapitre. Ça y est, c'est terminé, on arrive au bout, on retrouve évidemment Chris Redfield qui se trouve là. Alors j'ai fait quelques modifications dans mon inventaire et on va le regarder tout de suite, histoire de voir... Voilà. Juste avant, c'est une habitude que j'ai, je fais le point sur l'inventaire, je prépare mon inventaire pour l'épisode qui va arriver, à savoir celui-ci. Et donc, et ben, vous le voyez, il y a de l'artillerie lourde quand même. J'ai combiné le peu de munitions qu'il me restait pour le fusil d'assaut, donc on arrive à 91%, ça devrait aller. On a toujours le collier d'Alexia qu'on avait récupéré la dernière fois, puisqu'on avait, je vous rappelle, combattu Alexia. C'était pas évident, mais on y était arrivé. J'ai pris l'arbalète avec ses munitions... de flèches, de carreaux flamboyantes ou explosifs, hein, comme vous voulez. Bref, ça on les avait gardés pour la spéciale, la finale. Donc elle devrait nous servir pour le boss de fin, puisque ce n'est pas terminé. J'ai également pris le fusil à pompe, puisque je pense qu'on va en avoir besoin, notamment pour les petits zombies. Le lance-grenade, parce qu'il est temps quand même qu'on l'utilise un petit peu, hein. Je me rends compte que avec toutes les munitions qu'on a, j'ai pas besoin finalement du magnum, puisque oui, on aurait pu récupérer le magnum. On avait d'ailleurs dans notre inventaire quelques munitions de magnum, donc vous le voyez quand même, hein. Voilà ce qu'il me reste en l'état. D'ailleurs, les ailes, je me demande si je devrais pas les récupérer aussi. Peut-être bien, je vais les récupérer maintenant, comme ça, ça sera fait. Peut-être qu'on fera des allers-retours, mais en tout cas, voilà, en l'état, il faut les récupérer. Je pense qu'on va en avoir besoin incessamment sous peu. Donc il nous reste pas mal de spray, du mélange d'herbes, mélange bleu. Voilà, au cas où on soit empoisonné, ce dont je doute énormément, des munitions de grenades acides, peut-être que ça nous servira, mais je pense vraiment là qu'on va, on n'est pas loin de la fin, on va faire 2-3 allers-retours, mais on n'est pas loin de la finale, donc évidemment les balles de magnum, on en a 12, mais elles ne seront pas du tout utiles. Bref, il nous reste pas mal de choses finalement dans notre coffre, et bah, j'espère que j'en ai pas trop pris là, puisque... On est presque plein, je me suis laissé une place au cas où, même si on va utiliser rapidement le collier d'Alexia, hein, donc ça va nous laisser 2 slots dans l'inventaire, puisqu'on devrait récupérer des choses. Est-ce que je vais en... Je sais pas. Bref, normalement cette pièce-là, on devrait devoir y retourner dans pas très longtemps. Je crois de mémoire qu'il faut couper le courant. Mais bon, on aura l'occasion de revenir ici, donc on va commencer, on va continuer d'avancer. Et donc on va revenir... Bah là, on s'était laissé la dernière fois, d'ailleurs. Toujours un plaisir, hein, de vous retrouver sur ce Resident Evil. Alors, c'est par là. Et en plus, là, c'est la finale. Ça fait toujours quelque chose de terminer un RE à chaque fois. Une pression supplémentaire, un petit peu... un stress, et je vous avoue être un petit peu stressé. J'espère que ça va bien se passer. Alors attends, parce que là ça donnait où cette zone? Oui, bah c'est là qu'on veut aller, du coup. Ah, il y a un mélange d'herbes là. Je viens de le voir, je l'avais pas vu avant, bizarre. Hein. Bon, on aura l'occasion d'en revenir, je pense que j'essaierai d'y penser pour le récupérer. Voilà, on s'était la dernière fois laissé ici, hein, je crois, pour un combat acharné qui était pas si facile que ça, d'ailleurs. Et donc l'idée, eh ben, on a récupéré un joyau, donc le joyau, eh bien, c'est tout simplement de le mettre ici. Donc ce qu'on va faire, c'est l'examiner, le collier. Voilà, il semble possible d'enlever le joyau, donc on va l'enlever, oui. Et on va pouvoir... l'utiliser. Nous fait donc apparaître une porte qu'on va emprunter. Vous allez voir que cette zone, finalement, elle n'est pas vraiment anodine, puisqu'on, je crois qu'on l'a déjà visitée, avec, notamment avec Claire. Alors là, il y a l'air d'avoir du monde. Du zombie. Lol. Le fail. Bon, ça va, on a du soin. C'est dommage... je me fasse fail comme ça. Voilà, c'était le but, hein. C'est ce que je voulais faire. Bon, tu sais pas.
On va changer de technique. Parce qu'on en a pas mal. Il est où l'autre? Voilà, ça va aller plus vite. C'est ce que j'aurais dû faire peut-être bien la première fois. Alors, je sais pas si je les ai tous butés, là. Je pense que lui, il est pas mort. Merde. Alors, il y en a un qui est parti je ne sais pas où. Donc cette pièce-là, bah, vous devez sans doute la reconnaître, hein, puisqu'on était venu là avec Claire Redfield un petit peu plus tôt dans l'aventure. Il y avait pas mal de monde justement la dernière fois. Je pense que ils doivent repop. Ça doit respawn ici. Je voudrais voir où on arrive là. Alors il y a plusieurs zones où on peut aller. Celle-ci. Il y a une grande porte, un tout petit peu plus bas. D'accord. Donc on va commencer par là. L'ambiance musicale, toujours incroyable. Alors, d'accord, il y a un ruban encore ici. Il n'y a pas de coffre. Je vais peut-être pas prendre le ruban, ça serait dommage de gaspiller du ruban. Alors, une clé salle stérile. Ouais. C'est tout ce qui me dit contamination. Le symbole contamination y est gravé. Est-ce que c'est pas la pièce en bas, ça? Est-ce que c'est tout ce qu'on peut récupérer dans cette zone? Il n'y a que des livres sans intérêt. C'est le portrait d'une très belle femme, le chef de famille des Ashford, Véronica. Un spray de soins. Non. Non, non, parce que ça me fait trop peur de... Ça me fait trop peur de devoir pas... De ne pas avoir assez de slots dans mon inventaire pour pouvoir récupérer ce que j'ai à récupérer. Donc, je préfère laisser une case vide. Par contre, il n'y avait pas du soin, là, avant, ici? Voilà. Et ben, ça tombe bien. Puisque, pour le coup, je vais utiliser... une plante, histoire de revenir dans un état normal. Impeccable. Donc là, rappelez-vous, c'était les chambres du frangin et de la sœur, hein. Alors d'ailleurs, c'est des zones qui vont être importantes. La décoration est superbe par ici, mais n'a rien de bien utile. Plus vraiment d'ambiance, hein, ici. Donc là, on constate que la boîte à musique est fermée et le saphir a été enlevé. Donc il va falloir retrouver une pierre bleue. Pierre bleue qu'on ne détient plus, évidemment, puisqu'on a, on les a utilisées pour ouvrir la porte. Je crois qu'il n'y a rien de spécial à faire ici. Ici, on arrive dans la chambre avec une petite musique. On reconnaît évidemment thème, le thème de ce Resident Evil, Code Veronica. La boîte à musique joue un morceau. Arrêtez la boîte, oui. Et pareil, on constate ici que la boîte à musique est fermée, que le rubis a été enlevé. Donc il va falloir retrouver une pierre rouge, une pierre bleue, en gros. Et on va devoir un petit peu faire des allers-retours, bien que on vient d'avoir une clé qui risque de nous aider, je crois,
prendre un raccourci si je ne m'abuse. Alors, on n'a pas visité encore cette zone. Je me demande si elle n'est pas nouvelle d'ailleurs. Si on n'y était pas allé avant. Hein. On dirait un panneau de contrôle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Rapport code Véronica. Après de longues années de recherche, j'ai enfin identifié le gène responsable de l'hérédité de l'intelligence humaine. Je suis alors parvenu à manipuler ce gène pour lui permettre d'atteindre une valeur maximale afin de créer artificiellement une intelligence sans pareil. J'ai décidé d'isoler le gène de notre illustre ancêtre, de le manipuler et de l'implanter dans l'œuf non fertilisé d'une mère porteuse. Je ne m'attendais pas à donner naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Le garçon possède une intelligence remarquable, mais pas suffisante pour qu'il soit considéré comme un génie. Se doute de qui il s'agit, hein ? Les jumeaux. La fille, elle, remplit tous les critères. Cela ne fait aucun doute, il s'agit de l'espoir le plus brillant jamais rencontré. Elle est l'incarnation parfaite de notre ancêtre. J'ai déjà décidé de leur prénom. Alexia pour la fille et Alfred pour le garçon, hein, les deux chambres qu'on vient de visiter donc. Je suis certain qu'Alexia ramènera le nom des Ashford au fait de sa gloire. Alexander Ashford. Bien mal fini ce personnage. Alors là, il y a encore des plantes. Je les prendrai après. Ici, je vais pas y aller tout de suite. Par contre, on va descendre. Les munitions de pistolet, je vais pas les prendre. Pas l'ouvrir à la force des bras. Il y a un bouton sur le panneau. Appuyez sur le bouton, oui. Donc on va récupérer cette aile de Lubellule. Le mec qui arrive pas. Voilà, une aile de Lubellule. Je crois que c'est... Il n'y avait pas du pompe. On dirait un panneau de contrôle. Tiens, ici, il y a du pompe, là. Est-ce que je peux le récupérer? Allez, allez, s'il te plaît. Voilà, ça pourrait nous être utile. Hein. D'ailleurs, en parlant de pompe, je vais recharger. Non, c'est là. Hop, impeccable. Bon, alors le but ici, c'est de récupérer une pierre bleue et une pierre rouge. Et il y a deux pierres qu'on a laissées précédemment avec Claire. Je crois qu'il faut que je revienne ici. C'était les deux pierres qu'on avait posées sur les yeux d'un tigre. Le tigre qui devrait se trouver de mémoire... dans cette pièce-là, mais qui était fermée, je crois qu'on peut déverrouiller avec la fameuse clé qu'on vient de récupérer. On avait utilisé la clé salle stérile. On n'avait plus besoin de la clé salle stérile. Oui, on va la jeter. Voilà. Alors, il y a toujours cette statue-là qui se trouve au milieu, et je suis persuadé qu'on a loupé quelque chose. Je crois que c'est le plan où il doit y avoir quelque chose à faire ici. Je sais pas ce que j'ai fichu, en fait... Est-ce que je peux la déplacer cette zone et la mettre un peu plus à droite là-bas, là ? Je vois qu'il y a une fissure au sol. Je sais pas pourquoi, mais cette zone me stresse. Parce que j'ai pas récupéré ce parchemin là. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire ici. Mais je me rappelle pas quoi. Il y a un moyen de casser le truc ou... Ah, voilà. Fini par réussir. Ça me stressait depuis le début. Donc la carte du labo, on aura fini par l'avoir au bout d'un moment. Et donc, on revient ici. Vous le voyez,
on va pouvoir récupérer donc les deux pierres. Le problème, c'est que si j'en récupère une... Voilà. Eh bien, je ne peux récupérer la deuxième. Alors, il y a un truc à faire. C'est tout simplement de couper le courant. Pouvoir récupérer les deux pierres. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Et donc, couper le courant, eh ben, c'est simple. Hein. Il va falloir qu'on revienne finalement dans la salle de sauvegarde où on était tout à l'heure. Parce que je crois que c'est là qu'on avait réactivé le courant. Normalement, je crois vraiment que c'est dans cette pièce. Voilà. En fait, c'était pas obligé que je revienne ici. Ça me plaît pas vraiment. On va se dépêcher. Alors, attends, ça nous emmène où ici? Oh, je sais plus. Normalement, ça m'envoie dans un espèce de raccourci qui me permet de reprendre l'ascenseur, si je ne m'abuse. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Il semblait que c'était un raccourci, mais je crois que je me suis un peu planté, là. Eh oui. Faudrait que j'évite de me faire trop dégnapper la tronche par... Non, non, je vais revenir sur mes pas et on va faire le tour, tout simplement. Plus du tout ça m'énerve. Semblait que ça nous emmenait de l'autre côté, mais pas du tout en fait. Hein. Donc là où je veux aller, moi, c'est dans la pièce froide de sauvegarde. Ouais, en fait, c'est pas du tout là, c'est là. C'est ici que je veux aller, moi. Je me suis planté de route. Bon, c'est pas grave. C'est ici que je voulais aller. Voilà. On revient donc dans cette zone. Et la fameuse save room. Est-ce que... Non, j'ai pris les ailes. On a tout sur nous, normalement. Il y a un panneau pour cet étage, pousser le levier, oui. Donc voilà, on a désactivé le courant. On va y retourner pour récupérer les deux joyaux. Alors attends, j'ai un doute. S'il faut que je récupère deux joyaux, il faut que j'ai deux slots de libre dans mon inventaire. Est-ce que c'est le cas? Pas sûr. Si, c'est bon. D'accord. Ah, du coup, je crois que je peux plus repartir ici. Et non, c'est fermé, là. Je pourrais rouvrir s'il y a du courant. Donc, on va faire le tour. Alors, le level design est quand même vraiment bien fichu. On arrive dans un coin, on repart dans l'autre. Ça, c'est vraiment la force des Resident Evil et c'est la force de cet épisode aussi. Voilà, donc là, il fait vraiment nuit. Il fait très sombre. Maintenant qu'on a récupéré la clé, je peux passer par là et reprendre le raccourci qui se trouve ici. J'ai l'impression que ça va aller très vite pour la fin. On est à quelques minutes maintenant de la dernière, vraiment de la dernière partie. Alors attends, parce qu'on n'y voit plus rien. C'est par là. Pas simple de se déplacer hein, quand il n'y a aucune luminosité. Hein. Le jeu est très sombre. Et je dirais que c'est un défaut, ça. Ils auraient pu faire en sorte de le rendre un peu plus lumineux, notamment quand il n'y a pas de courant. C'est pas évident. Hein. Voilà, on a les deux joyaux. Allez, on va revenir sur nos pas. Là où on était tout à l'heure, dans les chambres des jumeaux. On va pouvoir les placer sur les boîtes à musique
demande d'ailleurs s'il va pas à nouveau avoir du monde, hein, si les zombies n'ont pas rip-hop dans cette pièce-là, dans ce couloir. Il faut également que je me refasse... Oula, du soin. Alors, on va reprendre notre lance-grenade. Ouais, ça respawn ici, c'est assez incroyable quand même. Hein. Alors on se fait plaisir, hein, on a le lance-grenade maintenant. On l'a pas récupéré depuis le début de cette aventure, donc autant qu'on l'utilise un petit peu sur la fin. Parce qu'on a vraiment économisé nos balles finalement. Impeccable! Voilà, une plante, peut-être que je la récupère après. Hein. Alors. Donc, on va pouvoir placer celui-ci. Voilà, elle devrait s'ouvrir à nouveau. Et on va passer de l'autre côté, puisque c'est le fameux raccourci qu'on avait débloqué. Hein. C'est vrai que je l'ai fait assez naturellement tout à l'heure, mais c'est un raccourci qu'on avait débloqué déjà avec Claire. On savait qu'il était là. Et donc pareil, dans cette zone. Enfin, j'ai la pression, on arrive vraiment au bout là. On est vraiment sur la dernière ligne droite, ça y est. Il y a un disque à picot. Prendre le disque, oui. J'espère vraiment que ça va le faire. Ça devrait le faire parce que le boss est vraiment faible contre ces flèches de carreaux explosifs là. Normalement, si on spam ce boss avec ces flèches là, ça passe large. Ici, donc, on va mettre la boîte, le disque à picot. Et ça devrait nous déverrouiller à nouveau. Cette fois-ci, l'échelle qui se trouve dans cette chambre. Et on n'y est pas encore allé dans cette zone, normalement. Voilà, on entendait les battements de cœur de Chris. On arrive dans une nouvelle pièce. Il y a beaucoup de charme d'ailleurs. Du ruban encreur, non. On en a vraiment assez. J'ai pas besoin d'en récupérer. Balles de pistolet, il y a également des plantes. Un portrait d'un homme est accroché ici. Une fameuse clé qui brille. Le portrait d'un homme est accroché ici. La toile est déchirée. On dirait Alfred. Il n'y a rien de bien utile ici. Donc la fameuse clé va être importante. Prendre la libellule. Alors, c'est un objet qui va nous être utile, évidemment, pour la suite et la fin du jeu. Une libellule, il lui manque des ailes. Donc là, bah, c'est simple, on va associer tout simplement les deux. Et voilà qu'on a notre objet clé qui nous permet de débloquer la fin. Libellule d'or. Libellule en or décorée de joyaux. Toutes les ailes sont attachées. Je vais récupérer le soin. Je vais combiner d'ailleurs. Ça va passer. J'hésite à sauvegarder là.
Je pense qu'on va peut-être associer... On va peut-être aller sauvegarder parce qu'après... Après, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Bon, bah voilà. Ça y est, on a tout ce qu'il faut en notre possession et ben, pour aller au bout. À la toute fin. Alors qu'on est pas loin de la trentaine de minutes de jeu. La pression monte. Mais je pense que ça devrait quand même passer largement. Il y a juste la dernière phase là qui est un tout petit peu plus chiante de mémoire. Hein. Je vais récupérer ça aussi. Mais normalement, ça devrait aller presque facilement. En tout cas, je l'espère. Voilà, deux soins. Attends, on a combien de... On a quoi dans notre inventaire, là? Ça, ok. Je suis même pas sûr de devoir les... d'avoir besoin de les utiliser, en fait, toutes ces armes-là. Ouais, deux soins. Bon, je pense que c'est bon, ça devrait le faire. Hein. Allez, c'est parti. Alors là, il y avait... je crois pas que c'était une save room, ça. Est-ce que je pouvais sauvegarder ici? Pas certain. Je vais revenir en arrière. Dans la salle où on a éteint... les lumières, où on a désactivé le courant. On sauvegarde. Et puis, ben, cette fois-ci, ça sera Gauffin. Ça va aller très vite. Alors, il faut toujours récupérer Claire, hein, qui, vous l'avez vu, hein, n'est pas présente. Elle était emprisonnée. Donc, le but, ça va être de la retrouver. On sait également qu'il y a Wesker qui traîne dans le coin. Et eh bien Alexia, hein, qui, même si on l'a combattue précédemment, n'est toujours pas morte. Alors, ça va être très compliqué de se diriger dans cette pièce. Alors, ruban encreur. Hop, 23 sauvegardes en notre possession, c'est très très fort. Et on a sauvegardé beaucoup, hein, cependant. Hein. Je crois qu'on en a 23 ou 24 également, hein, de sauvegarde. On va voir ça tout de suite. 24, 25, 26. Donc c'est la 27e et normalement dernière sauvegarde. On a sauvegardé 27 fois. C'est énorme, quand même. Le jeu est quand même sensiblement plus long, bien qu'en speedrun. Très honnêtement, je pense que... Alors, je n'ai aucune... Je n'en ai aucune idée, mais je pense que le jeu... peut être fait bien plus rapidement quand on le connaît sur le bout des doigts, ce qui n'est absolument pas mon cas. Je me rappelais de certaines choses, un peu moins de d'autres. Globalement, ça s'est plutôt bien passé en général dans ce let's play. On n'a pas eu trop de fails. Il y en a eu quelques-uns, mais ça a été, hein, de manière générale. J'ai oublié certaines choses, le magnum notamment. Mais je me rappelais suffisamment des zones qui étaient très importantes pour pouvoir, voilà, essayer de rebondir. Et donc j'ai cherché un petit peu mon chemin, il y a eu quelques coupures de mon côté parce que entre deux sessions de chapitres, parfois il s'écoulait plusieurs jours. Donc c'est pas vraiment évident de reprendre l'aventure quand on l'a pas faite depuis plusieurs jours, notamment parce qu'également à côté, eh bien il y a des let's play en live qu'on fait ensemble. Se rejoint assez régulièrement en live sur d'autres choses, hein, notamment Horizon Forbidden West qui était en let's play. Donc bon, il y avait beaucoup de choses dernièrement. Et donc c'était pas forcément évident de suivre de mon côté l'aventure, mais je crois que je m'en suis quand même relativement bien tiré, de manière générale. Tiens, je vais récupérer ça aussi, au cas où. Voilà, je sais pas si j'en aurais besoin, mais je le récupère quand même. Et donc, on va se diriger sur la dernière zone qu'on a, je crois, également déjà visitée. La serrure a été déverrouillée, c'est parti.
Alors ici. Ah, peut-être qu'il y avait une pièce... Peut-être que j'aurais pu sauvegarder là, non? Donc de refaire tout le tour. Je sais plus. Eh oui, c'est une save room là. On aurait pu venir ici. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas une save room, c'est un coin avec le coffre. Ouais, donc. Bon, ça c'est. On n'aura pas besoin de revenir ici. Au niveau. De mon inventaire, vraiment, je crois que je suis bien. Ouais. Donc on reconnaît cette zone puisqu'on l'a déjà arpentée avec Claire également. D'ailleurs il y avait des plantes ici. Hein. Claire? Is that you, Claire? Chris? No! The door won't open. Hey, is Steve with you? Steve? Listen, Claire. We have to get out of here immediately. Can you unlock it from the inside? No, I can't. Chris, there should be a self-destruct system somewhere. If you activate it, all the electronic locks might be deactivated. Eh oui, on ne peut plus rien prendre, c'est dommage. Alors, ce qu'on va faire, du coup, tant pis, je vais utiliser ça, bim. Voilà. Allez, c'est pas grave, j'aime pas faire ça, mais bon, là, on est vraiment à la fin. Je suis même pas sûr de devoir utiliser les deux plantes. Pour vous dire l'état de confiance dans laquelle je suis, même si je suis quand même stressé. On récupère donc... Eh bien, un fichier sécurité, examiné. Quelque chose a l'air d'être coincé dedans. Donc, c'est un bouquin, on va regarder ce bouquin, on va l'ouvrir. Allez, ouvre-le. Et il y a une carte, un pass de sécurité était dans le fichier. Alors, on n'est pas tout seul ici, il y a des zombies. Normalement, on ne devrait pas avoir besoin de les combattre. La musique a changé, ça y est, on est sur le grand final, vous l'avez compris. C'est à ça que ça ressemble, en tout cas, vu d'ici. Donc on était déjà venu ici avec Claire aussi. On avait normalement déjà visité la zone, on ne pouvait pas aller plus loin. Une histoire de porte. Je me demande s'il n'y avait pas des airs, mais je crois qu'on avait tout récupéré. Et donc, la fameuse porte s'est fermée. Il y a un creux en forme de libellule. Bien pour ça, il fallait donc récupérer cette clé et associer ça avec les ailes qu'on va pouvoir utiliser tout de suite. Vous avez déverrouillé la porte. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est prendre l'arbalète. On va l'équiper puisque là, ça y est, on est sur le combat final. On va partir sur une autodestruction. À moins qu'il y ait encore des ennemis, je ne sais plus. Ah, c'est possible. Alors attends, on va vite revenir sur notre lance-grenade. Ça va être réglé incessamment sous peu, cette histoire. Ok. Alors, il y a quoi ici? La musique est très classe. Une plante que je ne peux pas... Hein, que je peux récupérer. Pourquoi pas? Bon, allez, on y va, on y va. Alors, il y a l'air d'avoir encore du monde. Ils sont en bas. Pas de panique. Il y a un terminal.
C'est le déclencheur du système d'autodestruction. Utilisez le pass de sécurité, oui. Vous avez inséré le pass de sécurité. Sécurité de système d'autodestruction. Veuillez entrer le code de sécurité. Alors le code, on nous l'a répété 1000 fois durant cette aventure. C'est le titre du jeu. On va tout simplement noter le code Véronica. Vérification du code de sécurité. Code vérifié sécurité désactivé. Ouverture de toutes les portes pour évacuation. This facility will detonate in 5 minutes. All doors are now unlocked. Voilà, il nous reste 5 minutes pour terminer cette aventure. Je vais prendre mon arbalète parce qu'elle est importante. On a vraiment tout le long gardé ses flèches pour ce final. Je sais pas si j'aurai besoin des 50, mais en tout cas, je pense que voilà, cette arbalète avec ses flèches explosives sont très importantes pour arriver à bout du boss facilement, on va dire. You made it. Of course. Come on, let's get out of here. Okay, turn the key clockwise simultaneously on 3. Got it. Alors là, en fait, je me suis planté. On va prendre tout simplement le fusil d'assaut et on va lui mettre un plomb parce que vous l'avez vu, elle s'attaque à Claire. Libellule en tant que boss, c'est pas mal. Elle a la classe hein, quand même, elle est vraiment très belle. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est de me marier avec. Allez, la fameuse arbalète. Voilà, il faut pas faire de zèle là, hein. Il faut y aller rapidement, le plus possible.
Et donc voici qu'elle vole, la bougre. Je vais regarder un petit peu mon état. On est en faible, on va se remonter un peu. Vous le voyez, on a une arme qui vient de popper. Je vais aller la récupérer tout de suite. Allez. Le canon à ion récupéré. On va l'équiper. Et maintenant, il va falloir la viser. Et ça va être pas forcément des plus simples à faire. Voilà, là, c'est le seul, la seule zone qui peut être à peu près problématique. Même si on a à peu près 50 minutes, enfin, 3 minutes, pardon, devant nous. Raté. Alors, je vais faire attention à mon état de santé. On est en faible. Allez. Chier. Raté. Alors. Allez. On va pas y arriver, on va pas y arriver. 20 minutes. Attends, on est comment là? Ça va. Putain. C'est la partie la plus complexe, hein. Ça va. Chier. Allez. C'est fou, hein. C'est fou. Alors là, on est vraiment très très faible. On va rapidement utiliser. Là, j'espère que ça va passer parce que franchement, là, c'est la loose. Elle bouge beaucoup. Une minute cinquante. J'y crois pas. On va pas y arriver. Allez, c'est bon. Chris! Well done, Chris. It turns out that Alexia's work wasn't much of anything. So now, the only thing left is revenge. Let her go, Wesker! You don't want her. Fine. Claire! Today's a good day. I came for Alexia, but killing you is even better. Sorry to disappoint you, but Alexia is gone.
That's no longer a concern to me. I have Steve to work with. What? Steve. In his body, there's still a living T. Alexia virus. Steve should be a good specimen. Maybe he'll come back alive, just as I did, and be able to see your sister again. You freak! Don't you touch him! I'm sorry, dear heart. But my men have already taken him. You get out of here, Claire. But what about? As a surviving member of Starks, I have to finish this. Remember your promise. I'll end this once and for all. Say hello to my comrades who you've killed. I don't know where you get your confidence, Chris. Self-destruct system has been activated. All personnel, evacuate immediately. The self-destruct system has been activated. All personnel, evacuate immediately. Anymore. But just look at the power I've gained. Magnificent. Don't you think? Nice try, Wesker. Today's your lucky day. Next time we meet,
Don't count on another. Next. Until we meet again. Always keep my promises. Chris, promise me. Please promise that you won't leave me alone again. I'm sorry, Claire, but it's not over yet. There's still something we've got to do. You mean... Yeah, it's payback time. We've got to destroy Umbrella. Now. Let's finish this once and for all! Et ben voilà qu'on a terminé ce Resident Evil Code Veronica X. Incroyable, avec cette fin vraiment incroyable. Une cinématique hyper longue avec évidemment la fin de ce boss. Puis la suite avec Wesker et Chris qui se prend une raclée phénoménale. Évidemment, il a eu un énorme coup de chance de pouvoir rester en vie. Et c'est également l'évolution logique avec Resident Evil 5. Parfois, on se demande pourquoi Chris a changé de statut en fait. Il a compris qu'il avait pris une énorme raclée et que ce prochain rendez-vous avec Wesker serait très difficile s'il ne prenait pas un peu plus de masse musculaire. Et donc, on comprend aussi le point de vue psychologique de Chris qui change et qui se métamorphose limite pour subvenir aux besoins du combat futur, d'un combat prochain qui se terminera dans Resident Evil 5. Ce code Veronica arrive vraiment... il est vraiment important dans le background de la saga de la licence Resident Evil, puisqu'il fait suite directement à l'épisode de Resident Evil 1, premier du nom, évidemment, avec le retour de Chris Redfield et de Wesker. Et il fait également suite à Resident Evil 2, puisque Claire, à la fin, se promet de retrouver son frère. Et donc, il y a quand même une espèce
de fin de session avec ce code Veronica qui est ultra importante dans la timeline globale des Resident Evil. Il est réputé difficile et il l'est, mais c'est pas le plus c'est pas le plus difficile. Vous l'avez vu, le boss final se règle quand même assez rapidement. J'ai pas utilisé de plantes en tout cas pour la première session. La deuxième est plus compliquée puisqu'il faut vraiment viser et la visée de ce boss est vraiment sensiblement difficile puisqu'il arrête pas de bouger. Donc vraiment on a moyen de perdre un peu ses moyens. On a le compteur qui défile sur la fin et qui nous rappelle que eh bien, le temps est compté. Et évidemment la santé qui diminue quand même au fur et à mesure. Alors heureusement il nous one-shot pas, sinon ça aurait été bien plus compliqué. Mais j'ai eu un doute quand même sur la phase finale. Et globalement, ce jeu, il est quand même assez incroyable au point de vue narratif et de sa mise en scène. La narration, elle est ultra importante et on le voit là dans les images. La mise en scène l'est également. Il y a beaucoup d'inspiration en passant par Terminator et Matrix, hein, surtout vers la fin. Mais voilà, la mise en scène est vraiment relevée dans cet épisode qui était passé à la 3D. Alors ça change un petit peu hein, de la 2D précalculée avec des décors précalculés. Je trouve que ça perd un peu en charme, mais au niveau technologie, effectivement, ce Resident Evil est quand même un peu plus récent, fait quand même plus récent que les anciens. Moi j'aime beaucoup le charme quand même des épisodes originaux, les trois premiers épisodes, voilà le 1, le 2, le 3. C'est des épisodes qui je trouve n'ont pas perdu en charme et qui n'ont pas beaucoup vieilli. Alors ce Resident Evil est un petit peu spécial, je pense que c'est vraiment au point de vue de la remasterisation puisqu'on a eu cette espèce de format un peu 4 tiers là, avec ces bandes noires sur les côtés qui... Alors je sais pas si c'est vraiment propre à l'épisode sur la remasterisation sur PlayStation 4, mais je trouve pas ça très agréable. Ils auraient pu au moins voilà, rallonger et étirer un peu l'image, je pense que ça aurait été quand même un peu plus... disons que le travail aurait été quand même un peu mieux s'ils avaient... effectuer cette espèce de voilà, ce format 16/9 avec pas de bande noire sur les côtés. Moi je trouve ça un peu dommage et aucun travail n'a été fait sur l'optimisation des consoles plus récentes avec tous ces écrans de chargement qu'il y a. Alors j'en ai coupé quand même un certain nombre hein, des écrans de chargement, mais il y en a énormément. Ça fait comme si on était voilà, sur un épisode PS2. La luminosité aussi, hein, le jeu est très sombre, mais globalement, voilà, au point de vue de la narration, au point de vue de l'histoire, au point de vue de l'ambiance générale, c'est vraiment du très bon Resident Evil. Ça fait partie d'ailleurs des meilleurs Resident Evil. Alors, il a une difficulté quand même accrue, et la difficulté est accrue, il est un petit peu plus long que les autres, alors qu'on arrive au bout de l'histoire. À mon avis, on va pas être très très bon dans le classement, mais bon, ça fait plaisir de les voir tous les deux à nouveau rassemblés depuis le temps qu'ils se cherchaient, hein, depuis l'épisode 2. Depuis Resident Evil 2, donc ça fait quand même un sacré moment. Et donc qu'est-ce qu'il se passe? Félicitations, le classement E, donc c'est pas très bon. On a un temps total de 13h46, ce qui est quand même assez long. Je pense que le jeu est terminable de manière assez classique en une dizaine d'heures. Moi j'ai vraiment tardé, à mon avis on a 3h30 de trop, je pense. Nombre de sauvegardes évidemment 27 et nombre de défaites 30, il y en a eu quand même un certain nombre. Voilà. Mode combat, évidemment, il y a un mode combat qui est disponible. Et on a terminé le jeu, et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, ce Resident Evil était vraiment sympa. J'ai adoré vous le proposer, alors ça a été assez long. On a 18 chapitres quand même, mais on en est venu à bout, ça fait vraiment plaisir. C'est toujours plaisant, en fait, de démarrer un Resident Evil, et c'est aussi plaisant de le terminer, d'arriver au bout, et de vaincre ces boss, là, avec... ce fantôme-là de Wesker qui se trouve au milieu des deux et qui est omniprésent quand même durant cette aventure, même si il n'aura jamais fait office finalement de boss, mais il a une présence quand même assez importante. La suite des Resident Evil, c'est évidemment Resident Evil 4 qui arrivera forcément, le prochain Resident Evil qu'on fera, mis à part, j'espère que, voilà, qu'on le fera avant un potentiel remake, puisque vous le savez, il y a un potentiel remake qui s'est arrivé. Donc le prochain Resident Evil sur la chaîne arrivé, ça sera Resident Evil 4, qui sera donc la suite logique de ce code Veronica, et la suite logique de Resident Evil 2 et de Resident Evil 3, voilà, la suite logique tout simplement des Resident Evil sur notre timeline sur la chaîne. En tout cas, bah, ça a été un plaisir de vous partager cette aventure, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je sais que vous êtes quelques-uns à ne pas l'avoir terminé, ce code Veronica. Alors moi j'y serais venu à bout, Alors, je l'ai recommencé de nombreuses fois, mais je crois que ce n'est que la deuxième fois que je le termine vraiment. Je l'avais terminé il y a déjà quelques années.
j'avais recommencé, histoire de me remettre un petit peu dans le bain et de me remettre l'ambiance, il y a plusieurs mois quand même de ça, mais c'est vraiment la deuxième fois que je le termine, et il est quand même assez difficile. Mais je trouve que c'est pas vraiment le plus difficile des Resident Evil, c'est vrai qu'il a ce côté Resident Evil, en fait, difficile, même si on sait ce qu'il se passe, et je me rappelais de certaines choses, et qu'on anticipe un peu, voilà, il y a moyen quand même de braver cette difficulté par de l'anticipation, mais pour ça, il faut également la connaissance, il faut au minimum y avoir joué au moins une fois, sinon il est vrai que pour une première fois, le jeu est un petit peu plus long que les autres, et c'est vrai que pour une première fois, le jeu est plus difficile. Maintenant, ça reste quand même abordable. En tout cas, c'était un plaisir de vous partager, de vous proposer cette aventure sur la chaîne. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir avec les likes, comme d'habitude. N'hésitez pas à revenir sur l'aventure dans les commentaires. Je serai ravi de pouvoir vous répondre. Et abonnez-vous à la chaîne, ça n'est pas déjà fait. La petite cloche de notification pour recevoir toutes les notifications quand les lives ou les VOD tombent. Et merci à tous pour votre soutien, pour avoir été là durant cette aventure. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux let's play VOD ou en live sur la chaîne. Je vous rappelle que les lives, c'est le lundi, le mercredi et le vendredi quand il n'y a pas de VOD. Et d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et jouez avec le cœur. Salut, bye bye.